Ah. Cette banque m'a dit quelque chose. Je suis déjà venu ici. Je crois que je suis déjà venu. Ça me dit quelque chose. 600 000! Mais je gagne bien ma vie en tant que fonctionnaire de la police. J'ai fait un peu une folie. Ah oui? J'ai retiré beaucoup d'argent. Et vous voulez aller où avec ce avec ça? Je ne sais pas. Et si vous travaillez? Vous allez au travail? Oui. Et vous travaillez où? Oh, la Speedy. Pour la Speedy, ok, ça marche. Oui, il faut que je voie le chef pour m'excuser, parce qu'hier j'étais absent. Après, si vous travaillez au Speedy, il y a un contrat à Speedy, hein. Ah! Vous Mais oui, payez. je n'avais pas gagné un contrat. Bah oui, du coup, vous payez rien, vous êtes service public, vous. Ah bah oui, non, mais je suis service public, oui. Ah bah c'est bon alors, vous avez besoin de payer. Mais quand même, je dois vous donner un code ou quelque chose? Bah non. D'accord, pas de soucis, bah c'est gentil, donc là je ne paye pas. Ah ben non, c'est bon. Très bien, bah, merci monsieur, c'est vous... je me sens mal à l'aise, c'est... Mais tous les Ah policiers font ça? ben oui, tout le service public, oui. D'accord, non, je demande parce que je voudrais pas, mais vous, c'est bon pour vous. Ah ben oui, il faut Non, bien non, que vous j'insiste, soyez. étant donné que j'ai la décence quand même, de la décence des... Ah mais je Est-ce... comprends, oui. Oui? Et vous me dites que vous êtes policier, ben c'est bon, y a pas de soucis. Hein. Oui, policier, oui, des bureaux d'enquête. Ah Bon bonne courage à vous. soirée. À vous aussi, au revoir. Mais je vois les clés. Qu'est-ce qui... Ah merde, qu'est-ce que j'ai foutu les clés? Ça, c'est embêtant. Bonjour monsieur, Bonjour monsieur. je peux vous aider? Et oui, j'ai oublié les clés. Ah. C'est la connerie. Oublier les clés du bureau à la maison. On va avec les collègues pour ouvrir. J'ai l'impression qu'ils sont très occupés, il y a beaucoup d'animation Oui, cet nous sommes après-midi. souvent très occupés. C'est important. Et vous travaillez vous-même dans la police? Oui, tout à fait. Bureau d'enquête. Ah, d'accord. Mais j'ai oublié les clés. Pas demain. Eh, bonsoir. Bonsoir. Et j'ai oublié les clés. Je l'ai laissé dans le bureau là-haut. Collins, eh bien? Oui, impeccable. Bonsoir. Bonsoir. J'ai dit, j'ai Bonsoir, oublié madame. les clés. Les clés de quoi? Et les clés de la porte. J'ai essayé d'ouvrir la porte, j'ai oublié la maison. Et résultat, j'ai pas de possibilité d'accéder au bureau. Mais vous travaillez pas ici, monsieur Collins? Si, je dois amener les certificats d'hier, pourquoi je suis pas venu travailler. Un arrêt maladie? Une maladie, j'ai vu avec les médecins, et c'est pour déposer au chef. Et parce qu'il faut que... Bon, aujourd'hui, je me sens mieux pour reprendre mon poste et bureau d'enquête, mais... C'est un instant. Vous avez votre contrat de travail, monsieur Collins? Mon contrat de travail? Bah oui, quand vous allez au SPD, vous avez un contrat de travail. Il doit être là-haut, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et... Ah, vous avez pas forcément une copie que vous avez signée. Je demande. Oui, allô? Oui, j'ai un petit problème parce que les. Attends, je commence depuis le début. Tu as bien dormi? De quoi? J'ai dit, est-ce que tu as bien dormi? Parce que c'est important. Tu sais, je pense que c'est Oui. toujours important d'être bienveillant avec les gens, d'être dans une totale. Et... Donc, c'est important de prendre des nouvelles. Tu sais, d'être dans cet esprit positif. J'ai lu un article, et ça me rappelle, qui était à par rapport et les. Tout ce qui est positif. Oui. Et de pouvoir discuter avec les gens, même quand on n'est pas d'accord, de façon positive pour pouvoir être dans la construction Oui. d'une autre fête. Voilà. Oui. Et donc je te demande si tu as bien dormi. Très peu, mais bien dormi. Oui. Très bien. Est-ce que tu as déjà dit que tu es belle? Oui, tu me le dis assez souvent. Oui. Ouais, je l'ai dit, c'est important, positif. Et j'ai un petit problème parce que j'ai oublié les clés pour rentrer. T'es où? Je les ai les clés, moi, t'es où? Je suis allé avec les collègues au Speedy. Mais j'arrive où? Et il me demande les contrats de travail, mais comme je me souviens plus, et ok, mais... J'arrive. D'accord. J'ai les clés, moi. Tu m'attends devant? Je suis dedans, oui. Non, devant. Oui? Tu m'attends devant? Oui. Oui, pas dedans. D'accord. Non, parce qu'en fait, tes collègues sont pas censés savoir que j'ai tes clés. Comment ça, ils sont pas censés savoir que... Bah, parce qu'en fait, c'est faut, enfin, c'est pas... Voilà, vu que moi, je travaille pas là-bas, du coup, je peux pas les avoir, les clés sur moi. Tu penses que c'est une faute et que je peux prendre un blâme? Bah oui, c'est pour ça, donc dépêche-toi de Merde! sortir, comme ça je te les donne, comme ça tu prends pas de Oui? blâme. J'arrive. Sors devant, j'arrive. D'accord. Excusez-moi, j'ai. Monsieur Collins, votre qui taxi vous est arrivé. arrive? Oui. Comment? Bah qu'est-ce qui vous arrive? Non, rien, c'est qu'elle est. C'est un peu compliqué, je veux pas prendre un Oui, blâme. vous pouvez me dire. Comment ça? Oui, je vous suis. Un blâme pourquoi? Mais vas-y. Quel enfer. Bah oui, un blâme pourquoi?
Bon, les crottes du biquet, j'ai oublié mes clés, je suis désolé, c'est ma femme, et je sais que l'accréditation fait qu'on n'a pas les droits de procès à tes proches, mais j'ai, voilà, j'ai... Mettez les blâmes. Ah, je m'en veux. Mon Dieu. Ah, j'ai fait une bêtise. Mais ça va bien se pas passer, hein, c'est pas un drame. J'ai oublié mes clés. Oui, mais c'est pas grave, on oublie tous nos clés. Excusez-moi, vous avez oublié que vous pouvez plus rentrer en 50-18, du coup. J'ai plus rentrer les bureaux là-haut. On a récupéré les clés. Pour mon bureau là-haut, mano d'enquête. Il n'y a pas de souci. Les bureaux d'enquête top secret des polices. Oui, mais il n'est pas ici, ce bureau d'enquête. Tu sais bien, Miguel, il n'est pas ici, le... Bonjour, monsieur. Je peux avoir un point, là, parce que... Bonjour, monsieur. Enchanté de vous connaître. Non. Ah, carré, rouge, ma femme. Oui, chérie. Oui. Ah, Mike, l'homme qui aime les zizi. Alors, oui. Bonjour, monsieur. Ah. Bonjour, ça c'était la demoiselle qui voulait qu'on fasse des choses dans l'IRM. Oui, j'ai... Entre nous. Oui. Bonjour, monsieur. Tu peux venir dehors, s'il te plaît. Oui, tu peux venir dehors, si, c'est possible. Merci. C'est possible, c'est possible. C'est... Est-ce que vous direz pas au chef que j'ai oublié mes clés? D'accord, mais vous êtes au courant. Je vous laisse voir avec le commissaire. Le commissaire? Oui, il est là-bas avec la queue de cheval. Merde. J'avoue au commissaire que j'ai fait une faute. Commissaire! Tout est sous contrôle. Je savais pas que c'était vous les commissaires. Oui. Je m'excuse. Je tiens à vous présenter mes plus plates excuses. J'ai en effet oublié mes clés de service et c'est ma femme qui les avait et à ce titre et je m'excuse. C'est pas une faille de sécurité, c'est ma femme. Si vous devez mettre un blâme, mettez un blâme. C'est-à-dire que si on vous met un blâme, on peut pas... Enfin, je... Enfin, vous travaillez pas techniquement pour moi, hein. On est d'accord. Monsieur Mick, on est d'accord. C'est... Je crois que Madame Collins vous attend. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec mon bureau, nous mettrons en commun les différentes et... par rapport aux enquêtes et par rapport à... Voilà, et du coup, on doit contacter qui? Moi? Appelez-moi. Vous directement? D'accord. Mais non, bien non, sûr, non, pourquoi? Non, mais... non. Ah bon appelez Mike. Appelez Mike, c'est notre responsable. C'est mon assistant. Ah oui, d'accord. Oui. Faites attention, il fait souvent des blagues par rapport aux zizi, mais... C'est quelqu'un qui a un bon fond. Non, ça c'est des mauvaises interprétations. Ça. Après, voilà. les blagues, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Vous êtes bientôt gouverneur, Miguel. On y travaille. Gouverneur? Bah oui, c'est votre ville, vos règles. C'est une sacrée... Je suis tout émoustillé. D'accord. C'est une sacrée... Waouh! Gouverneur. Oui, justement, on va aller fêter ça à la Excusez-moi, j'ai loupé un truc, moi, ou... Non, on va y aller, ne vous inquiétez pas, on a un truc à fêter avec du champagne à la villa, on va... C'est une sacrée responsabilité, je sais pas si je suis en capacité, c'est... Ça veut dire avoir la vie de tous les concitoyens entre mes mains, et être capable de devoir changer avec la justice les éléments fondamentaux de notre république, et de savoir aider les gens. Exactement. Ouais, c'est ça. Je suis très honoré. À la petite dame Michette. C'est génial ici! Oui. Pourquoi vous connaissez pas? Ça fait longtemps que vous êtes là. Comment ça? Oui, non, mais faut vraiment qu'on y aille. On a vraiment quelque chose à fêter. Ouais, faut vraiment qu'on y aille. C'était génial ici. Voilà, c'était merci génial à vous. Ici, mais bientôt je vais m'énerver, ça va plus l'être. Donc bonne soirée à vous et on va y aller. Bien. Ah oui, alors moi je sais bien. Qu'une chose, c'est si madame veut s'énerver, vaut mieux. Ouais. Bah allez travailler, vous inquiétez pas, nous on va faire de même. Vous inquiétez pas. Et puis on se recroise, y a pas de soucis. Bon bah oui. Monsieur Collins, prenez soin de vous. Merci, commissaire MLSP. N'hésitez bien. Pas à m'appeler à n'importe quel moment. Et... Avec plaisir. Voilà, MLSP à vous. Reposez-vous. Hein. Très bien, merci. Récupérez bien. Bonne très bien, merci. Ouais, non, ça marche pas. Bien dernière soirée. Chose, commissaire, bonne chance avec Si, commissaire, dimanche. Putain. Brunch à la maison? J'aurais tenté. Hein. Non, dimanche, on a un foot. Allez, hop. Ah, si, c'est foot, extrêmement oui, mal poli. On a un foot. Le commissaire fait un travail extrêmement formidable. Oui, et en tant que gouverneur, si je suis le gouverneur, c'est important que je l'invite au brunch. Oui, mais là, dimanche, là, on a un foot. Un foot. Dimanche, golf. Dimanche oui. D'après. On fait oui, on verra pour un dimanche brunch. D'après, oui. Sinon, on fait un golf lundi. Pas de soucis. On fait... Lundi, on est à Maracas. Vous faites un super métier. Ah, vous faites Maracas. Lundi, bravo. On est à Maracas, oui. Très beau métier. Bravo. Ouais. Bonne soirée. Bon courage. Hein. Merci. Bon, allez. L'élection est posée gouverneur. Faut déposer les candidatures maintenant. Peut-être pas maintenant, monsieur. Il faut attendre un peu. Vous avez 3 semaines. On prépare devant. Bien le programme et tout. Non, c'est avant dimanche. Comment on ça a le temps, on est avant dimanche. Jeudi. On a le temps, oui, on est jeudi. On fera ça un peu plus tard dans la soirée. Au calme, oui, vous inquiétez pas. Ouais. Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, Tom Van der Goot, gouverneur adjoint. Bonsoir, monsieur le gouverneur adjoint. Par votre message en messagerie entreprise, oui. Vous avez des questions par rapport aux élections ? Exactement, merci monsieur le gouverneur adjoint. Je me présente, Charles Collins, un policier actuellement des bureaux d'enquête, et je vous appelle concernant les élections. Et pour vous pouvoir, êtes policier au bureau d'enquête Exactement, le bureau d'enquête Manon. D'accord. Exactement. On va peut-être remettre ça plus tard. Je vous appelle et parce que je vois que les candidatures, ça va dimanche. Mm-hmm. Voilà. Donc c'était pour savoir et comment ça passe. Alors, concrètement, oui. Les personnes qui veulent comment dire, se présenter pour les élections au poste du gouverneur, oui. Présentent en fait construisent un programme. Donc il faut qu'il soit deux, un gouverneur et un gouverneur adjoint. D'accord, ça c'est bon. Ils construisent un programme qui vont présenter ensuite aux citoyens. D'accord. Et donc, ils postent leur candidature. Donc, vous regardez les annonces gouvernementales. Et donc, vous avez la fiche de poste qui explique exactement ce qui est attendu du gouverneur. J'ai lu. C'est une lourde responsabilité quand même. Oui, tout à fait. Oui. Et ensuite, vous avez donc les candidatures. Elles peuvent être envoyées sur un lien que vous avez, donc, qui a été posté par le gouverneur. Vous avez jusqu'au 14 du 11 à 23h59 pour les envoyer. D'accord. Et donc là-dessus, vous pourrez envoyer, si vous regardez le lien, vous pourrez envoyer le nom des candidats et y ajouter les fichiers qui constituent votre programme et qui seront à ce moment-là rendus publics. D'accord. Mais moi, je ne savais pas du tout, c'est mon équipe qui m'a dit que je mettais bientôt les gouverneurs. C'est pour ça. Moi, je croyais que j'étais un enquêteur, pas comme les autres, mais vous savez que dans toute mon enfance, c'est que ma mère me disait souvent, Charles. J'ai pas le souvenir de ma mère qui m'appelle, en fait. Vous êtes sûr que vous vous appelez Charles, monsieur ? Oui, je suis sûr, c'est le médecin qui a dit. D'accord. Parce que la dernière fois que je vous ai eu au téléphone, oui. Vous aviez dit que vous appelez Miguel, monsieur. Tout le monde me dit ça, mais les médecins m'ont dit que je m'appelle Charles. D'accord. Oui, autant c'est vrai que vous le dites. Bah, je croirais mes proches plutôt que le médecin. Le souvenir des... C'est vrai que si je réfléchis, le souvenir, c'est pas... Ma maman m'appelle pas Charles, m'appelle Miguel. Oui, c'est vrai. Sans doute. C'est qui est un peu bizarre parce que tout le monde m'appelle Charles et les médecins disent vous appelez Charles et bref. Ce qui fait que, vu que c'est moi qui vais devenir les gouverneurs, je me suis dit c'est une bonne nouvelle de faire connaissance avec les gouverneurs, qui actuellement les gouverneurs. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Par contre, je peux vous dire que quand je vais être élu... Il a qui au téléphone là ? La criminalité... Tu veux pas savoir. Je vais la mater. Je vais doubler ou tripler les budgets de la police et que les criminels vont me pleurer. Ah, bah en c'est la méthode que j'attendais de votre part, mais si vous pensez qu'elle est effective, pourquoi pas. Si vous voulez qu'on fasse un brunch avant les dimanches, c'est possible. Comme ça, on apprend à se rencontrer. Non, parce qu'avant, on a pétanque. Samedi, on a pétanque. Dimanche, on a foot. Vous êtes le bienvenu. Et demain, on a Netflix. Et si vous souhaitez venir passer. Et lundi, on a Maracas. Au LSAS et qu'on discute. Bah allez, j'y passe tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur. Très bien. Au revoir. Bonne soirée à vous, monsieur Miguel. C'est un rendez-vous avec les gouverneurs. On avait tout un programme de prévu. Ah bon ? Oui. Et matin, maintenant ? J'arrive. Qu'est-ce qui est jaune et qui nage ? Ouais. Un poussin ? Comment il s'appelait ce con ? Smoke. Ah oui, c'est Smoke. Smoke in the water. La chanson ? C'est ça, je connais. Moi, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est ça. Attrapez à l'orient ici. Restez pas de ce côté. Les voitures pourraient t'écraser, c'est dangereux. Je te rappelle rien. Miguel, ici présent, voulez-vous prendre pour l'époux Kim Dwight, ici présente. Oui, il veut. Je cherche. Dans cette rue, c'est ta rue préférée pour écraser les gens. Non, c'est ici que tu m'as écrasé, c'est ici que tu m'as épousé. Et c'est ici que j'ai posé le genou à terre pour te demander en mariage. Oui. Je suis embêté. C'est l'air de beaucoup t'émouvoir. Et je me rappelais pas. Bon bah enquête suivante. De ça l'émotion dans la voix que ça tient le cœur mais... Ne vous inquiétez pas, ça va. Je fais un souvenir. Allez viens, on s'en va. Allô, bonsoir. Oui, monsieur Miguel, vous allez bien ? Oui, tout le monde me dit ça. Et appelez-moi Charles. D'accord, monsieur Charles, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous téléphonais parce que... comment vous expliquer ? Oui, dites-moi. En gros, je me marie demain. Vous mariez demain ? Oui, demain. Demain, demain ? Demain, demain, oui.
demain, je me marie. Et je me marie dans une zone où on m'a dit que de temps en temps, il y avait des choses illégales qui se passaient. Oui, et vous êtes dit qui j'appelle pour connaître les meilleurs moments des... J'appelle le bureau d'enquête. Monsieur Charles. Le bureau d'enquête. Oui. Quel bureau d'enquête, monsieur Miguel? Le bureau d'enquête de monsieur Charles. C'est maintenant? Oui, 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 tout à fait, oui. Et les... oui. Qui c'est qui résout plus vite et les... Oui, c'était plutôt pour vérifier que la zone soit tranquille, vous voyez, pour voir si vous pouviez faire quelque chose, pour veiller à ce que tout se passe bien là-bas. Donc, ce que vous voulez, c'est une espèce de vie, monsieur, et qui vous permet que les enquêteurs des manos puissent assurer la sécurité et, par rapport à tout ce qui est des types de criminalité. Oui, c'est plutôt me confirmer ou non si c'est une zone où ça peut être dangereux ou des choses comme ça, vous voyez. D'accord. Et c'est où c'est que vous voulez faire? Alors, 60-67, 60-68. 60-67, d'accord, je regarde. 60-68, oui, c'est juste au petit du lac. Bon, on m'a dit que c'était une zone qui risquait de... Après, peut-être que vous, dans vos dossiers, vous avez rien et qu'en fait, tout est tranquille là-bas et tout se passe bien. D'accord. Ne quittez pas. J'ai fait appel à tout ce qui est logistique. Ne quittez pas. Et j'ai un monsieur au téléphone. Oui. Qui est... Attends, je regarde le nom. Des Parnassiens. Les 60-67, il me dit qu'il y a beaucoup d'activités illégales par là-bas et qu'il voulait s'assurer que les bureaux d'enquête étaient sur le coup. D'accord. Oui, bien sûr. On va se charler de ça. Oui, sinon on balance. Et c'est bon. Je vais mettre. Je m'en occupe. D'accord. Et l'intégralité de l'équipe et Collins Industries va s'occuper de notamment vérifier mais aussi sécuriser votre zone. Non, mais y a pas. Je vous envoie les un devis, mais c'est fait là. Et un devis qui permet de gérer ça. Et les devis, après, t'as signé avec une avance qui permet de faire la sécurité. Monsieur Miguel, et ma femme dit qu'après, vous l'appelez, c'est bon, c'est géré. Monsieur Miguel, c'est pas ça l'idée générale, non. Moi, ce que je souhaite juste savoir, si c'est une zone d'enquête à cet endroit-là, s'il y a des enquêtes en cours sur cette zone-là ou pas du tout. Au niveau de la sécurité, j'ai déjà vu avec G6. Oui. Ah, G6, monsieur Bagère. Oui, exactement. Oui, il doit venir dans mon bureau pour les... Je rachète l'entreprise. Ah bon? Oui, je rachète. Ah oui. Je vais essayer de racheter avant d'être gouverneur. D'être gouverneur? Oui. D'accord. Oui. Voilà. Et... Mais vous savez que vous pouvez pas être gouverneur et avoir une entreprise en même temps. Et c'est pour ça que j'y vais acheter après. Ouais. Après ou avant? Ah bah après, si vous dites que j'y peux pas. Vous avez l'air d'être calé en tout ce qui est loin. Mais juste un instant, excusez-moi. C'est chérie. Qui c'est le monsieur Panas? Je ne sais pas qui c'est. C'est mon Panas? Oui, monsieur Miguel. Ouais. Je vous propose ça. Et aux autres, je propose les brunchs. Mais pour vous, oui. J'ai frais de vous. Bon gouverneur à jouer. Non, merci. Vraiment, c'est génial. Non, j'y vais pas au gouvernement. On va faire. Ça va être un bon moment tous les deux parce qu'on me dit que vous êtes quelqu'un qui est bien. Oui, c'est très gentil, vraiment, c'est fort sympathique. Par contre, je n'irai pas au gouvernement. Seigneur mon Parnasse. Non, Parnasse. Pardon? Oui. Oui, mais non, mais c'est vraiment, c'est gentil, monsieur Miguel. Mais par contre, j'ai pas compris, c'est quoi ce bureau d'enquête, monsieur Miguel? Le bureau d'enquête? Oui, de quoi? Je peux pas vous dire, c'est un peu secret. Oui, mais vous savez que moi j'étais marshal avant. Vous étiez marshal? Les marshals des États-Unis d'Amérique? Oui, évidemment. Ah, les collègues, tout va bien. Et je dirige un bureau d'enquête. Et que c'est lié à moi le bureau de Manon, qui est un bureau un peu top secret, que même les Speedy ne connaissent pas parce qu'en fait. Bref. Et donc. Un bureau d'enquête. Oui, qu'on s'occupe de toutes les enquêtes et concernant les villes et tout ça pour attraper un peu les Speedy, quoi. Je sais, c'est navrant. Un bureau d'enquête contre les Speedy? Non, pour les aider, parce qu'ils sont pas. Pour les aider, mais vous faites des enquêtes sur quoi alors? Sur les criminels? Pour mettre derrière les verrous les criminels? Allô, le mon Panas? Oui, non, je suis toujours là, vous en faites pas, tout va bien, je... Mais c'est bien, c'est une bonne idée, ça, d'attraper les criminels, oui. Oui, très bien. Okay, voilà. Donc, n'hésitez pas à appeler ma femme, oui. Kim, qu'elle a une coiffure et carré rouge, très belle femme. Voilà. Et sinon, vous appelez Mick, mon adjoint, qui est celui qui parle tout le temps de sexe. Il parle de sexe? Ouais, comme moi. Tout le temps. Oui. Bon, c'est bien de temps en temps. Ah, mais oui, c'est beaucoup. Hein, c'est plus fatigant, d'accord. Oui. Pourquoi t'as cette image-là? Je sais pas. Vous êtes déjà pensé prendre un petit week-end de congé, monsieur Miguel? Pourquoi un week-end de congé? Vous allez être fatigué. Non, ça va, impeccable, je suis au taquet. En plus, comme je vais devenir gouverneur, j'ai content. Gouverneur, oui.
Je me suis dit que c'est quand même beaucoup de points. Mais vous savez qu'il faut être élu pour être gouverneur. Il faut être élu, mais pas de soucis. J'ai vu les gouverneurs et comment ça s'appelle, les gouverneurs adjoints. Et j'avais fait un brunch avec lui tout à l'heure. Oui. Después, c'est fait la liste et hop. Pas vu les. Oui, mais il faut que les gens votent pour vous. Voilà. Les gens vont voter. Ils bougent à 30 et ils reviennent à 45. Okay. Quel est votre programme sur quel axe vous partez? Oui. D'abord, vous m'élisez, après j'ai les idées. Ah oui, non, ça marche dans l'autre sens en fait, parce que sinon les gens vont voter pour l'autre liste. Alors moi, je me permets de mes souvenirs. J'ai jamais vu un homme politique qui a les idées avant. D'abord, il se fait élire, il dit toto. Je dis bah, d'abord, toi, lis. Voilà. Et après, les gens sont là, oui. Et après, qu'est-ce que vous faites? Et on verra. J'ai plein d'idées, mais j'ai dit que les idées, qu'est-ce que je suis élu? Je ne suis pas élu, je dis pas les idées. Alors, n'hésitez pas. Et oui. Bon préparatif de mariage pour demain. Merci beaucoup. Profitez bien, monsieur Montparnasse. Monsieur Parnasse, pas Montparnasse, juste Parnasse. Pas de soucis, monsieur Montparnasse. Bonne soirée. Soirée. À bientôt. Oui, vous aussi, oui. Très sympathique, Mick, c'est monsieur Montparnasse. On ne prend que deux voitures. Oui. Monsieur Miguel, bonjour. Oui, monsieur Bajer, vous allez bien? Bien vous-même. Impeccable. Appelez-moi Charles. Et je vous appelle pour les contrats de demain soir. Et c'est bon, on a le contrat. Comment ça, le contrat de demain soir? Celui avec monsieur Montparnasse. Monsieur Montparnasse, qui est monsieur Montparnasse? Celui qui se marie. Monsieur Parnasse. Oui, c'est ça, monsieur Montparnasse. Et on a le contrat, on sécurise chez lui, pour son mariage. Oui, groupe 6, c'est le contrat. Depuis... Oui, oui, oui. Oui, exactement. Oui. Voilà. Et il est en train d'appliquer. Concernant les rachats de votre entreprise, j'ai fait les virements quand? Comment ça, le rachat de mon entreprise? Par rapport à nos rendez-vous, tout ça. Notre rendez-vous. Oui. Je vous suis pas là, monsieur Miguel. Bah, on en parle au brunch dimanche. Ok? Bon, au brunch dimanche. Si, d'accord. Vous faites ça bien. Les rendez-vous. Demain, oui. Demain, les. Comment ça s'appelle? Ah oui, non, ça m'arrange pas en fait de racheter l'entreprise maintenant. C'est comme je vais être gouverneur, je peux pas être les. Donc. C'est bien ce que j'avais compris hier quand vous venez à mon bureau. Ce qu'on fait, je vous explique. Donc, et là, actuellement, demain, vous prenez les contrats, tout ça. Et il est au téléphone, demain, on signe les papiers, mais on fait les papiers de rétroactivité des parts. Donc, j'explique. J'ai devenu gouverneur, ce qui fait qu'entre nous, je pourrais valoriser beaucoup plus facilement. Et groupe 6, ça me paraît normal. Hein. Et à partir de là, on fera la rétroactivité par rapport à la session économique. Et ce qui permettra de faire une rachat anticipé. Vous savez que si vous voulez devenir gouverneur, vous ne pouvez pas avoir une entreprise. C'est pour ça qu'on fera les rétroactivités des achats. Rétroactivité des achats, d'accord. Oui, c'est très simple. Vous l'achetez en avance pour... Ne vous inquiétez pas, c'est un montage assez simple qui permettra que sur ma holding, par rapport aux différentes SAS, j'ai la capacité de pouvoir récupérer les parts à rétroactivité. Et c'est une question de balance, mais je vois ça avec les comptables et les avocats et on se voit dimanche au brunch. Si ? Dimanche au brunch, pas de soucis. Bah, les soucis, à bientôt, monsieur Mazir. Au revoir. Fait une belle affaire quand même de racheter groupe 6. Donc là, on va dans un quartier sensible pour l'élection ? Non, c'est notre ancien quartier, ça. Oui. Allez, c'était chez nous ça avant. Des graffitis, oui. T'as vu ce qu'il y a marqué sur le graffiti? Approchez-vous si vous n'avez pas l'air. La main, non. Oui, c'est la main en espagnol. Ah, c'est notre nom. Ah oui, c'est vrai qu'il est vu comme ça. C'est le nom de notre famille. Et c'est dans ce quartier qu'elle a été créée. D'accord. Et on met ça sur les entêtes et les papiers? C'est ça. Parle un peu? Non. Non, pas du tout. Non, ça m'est... Non, c'est joli, c'est... Non, c'est pas joli, c'est immonde. Ah bah, c'était... On faisait avec les moyens qu'on avait à l'époque. Il y a une phrase que vous nous disiez souvent. Oui. Faut pas qu'on oublie d'où on vient. Tu te souviens de ta mère au Mexique. Tu devrais te souvenir de ton prénom Miguel qu'elle t'avait donné quand t'étais petit, non? Et ça me dit quelque chose parce que tout le monde il me dit Charles, mais moi je me rappelle de ma maman qui m'appelle Mibi, Miguel. Elle est là qui écrit Miguel. Voilà. C'est ça que je comprends pas parce que les gens disent que je m'appelle mais... Monsieur, faut qu'on y aille. Ouais, faut qu'on y aille dans les voitures. Maintenant. Parce que c'est pas notre quartier en fait. Comment ça, c'est notre quartier? Il faut qu'on bouge. Oui, bien sûr. Vas-y, montez dans une des deux voitures. Allez-y. Donc on a l'habitude de s'arrêter tous les 15 minutes ici? Oui, c'est un peu ça. Ouais, je passe un coup de fil. Je me permets, Alan, je m'ennuie. Pardon? J'ai me fait chier. Ah ouais?
Oui. Mais il arrive. On va y aller? Ouais, je pense qu'on va... On va bouger. Tu peux t'appeler Miguel ou Charles, ça va, tu vas... Charles, appelle-moi Charles. Mais en fait, ce qui est venu, c'est quand même... Moi, je me rappelle, ma maman appelait Miguel. Ben voilà. Donc, ta mère comment t'appelait ça fait Miguel. Que, comment, que, c'est débile. Comment ça fait que les gens m'appellent Charles si je m'appelle Miguel? Ça daterait de quand tu as voulu rentrer aux États-Unis et à Los Santos. Ouais. T'avais pas forcément les visas, les trucs comme ça, tu vois, pour rentrer sur le pays. T'as pris un nom d'emprunt, apparemment. J'étais en train de regarder les voitures que j'ai. Oui. Ouais. Apparemment, j'ai des jolies voitures. Evro. Qu'est-ce que c'est l'Evro? Je regarde. Ah, c'est un gros 4x4. On en a une autre aussi qui devrait te plaire. T'inquiète pas, on va te la sortir. Comment ça va? C'est Kim qui a les clés du garage. Oh, écoute ce bruit. Oh là, ça m'a l'air d'être un super véhicule, ça. Tu reconnais? Ça, c'est un bruit de Vedus. Je parle pas de celle-là. Celle-là est pas mal, hein, aussi, t'as vu? Mais c'est celle des 12 à l'heure, ça, non? Ouais. Et en plus, on en a plein comme ça, tu vois, c'est un peu les voitures de fonction de la Mano. Écoute ce bruit. C'est un joli bruit. Alors attends, écoute bien, ferme les yeux, hein, surtout. Je ferme les yeux. Voilà. J'ai les yeux fermés. Ok, super. Oui. Eh ben reste comme ça, tu vois. Oui. Et là, pense un petit peu à la philosophie de la vie. Oui. Ok. D'accord. Ça y est, t'es bien, t'es déconcentré. Oui, je me concentre. Bon, maintenant, tu réfléchis. Oui. J'ouvre les yeux. C'est parfait. Ouais, vas-y, c'est bon, tu peux les ouvrir. Oui. Dis-moi ta réflexion sur la vie, c'était quoi? Ferme les yeux et c'est bien. Ouais, je t'avais demandé de réfléchir sur la philosophie de la vie. Oui. Bon, c'est pas gagné. En fait, on est en train de te préparer une surprise, mais ça met un peu de temps aussi. Ça a l'air compliqué quand même, non? Ouais. Très compliqué, ouais. Ouais. Moi, je fais du mieux que je peux. Ça a l'air compliqué, non? Ouais. La vie n'a pas l'air facile, Jim. Ouais. Non, pas tout le temps. Mais après, vous vous rendrez compte qu'avec cette famille, en fait, rien n'est impossible. On va rester là tout le temps? Pour le moment. On va aller chez les Vagos. Les Vagos. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre groupe. Un groupe semblable à nous. Qui fait des enquêtes. C'est un groupe criminel. Comment c'est un groupe criminel? Ouais, c'est un groupe criminel. Comme ce qu'on est. Et on les... a un bureau d'enquête. Oui. Mais c'est un bureau d'enquête qui travaille pour un groupe criminel. Et nous, on est un groupe criminel. C'est notre bureau d'enquête pour notre groupe criminel. On tue des gens. Et toi, t'es notre boss. C'est criminel. Les blagues. Et c'est les bonnes blagues, ça, Mickey. Et les blagues, les boss des criminels. Moi, non, je suis sérieux. Je n'ai même pas la violence et les armes qui bossent des criminels. Encore moins les rapports avec les... C'est très rigolo. Très... Regarde Alan. Oui, Alan, oui. Regarde sa joue gauche, qu'est-ce qu'il y a dessus? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Une araignée. C'est une tatouage d'araignée. Regarde Mike, regarde sa joue gauche. Qu'est-ce qu'il y a dessus? La joue gauche de Mike. Une araignée. Ouais. Oui. Regarde la mienne. Une araignée? Vas-y, suis-moi. Oui. Là, dans le reflet de la vitre. Oui. Qu'est-ce que tu vois dans ta joue gauche? Et... les mêmes araignées. Voilà. Donc, pour le moment, tu vas rester avec nous. Oui. Comme un otage? Ouais, si tu veux. J'ai pas payé. J'ai retiré une grosse somme tout à l'heure et... je suis en capacité de payer. C'est 5 000 $. On va devoir te protéger. Que tu le veuilles ou non. C'est... je comprends pas. C'est... qu'est-ce que c'est? Baisse tes mains, ça sert à rien. T'es pas en otage ici. Ah bon? Je suis pas très à l'aise. Oui. Ta ville, tes règles. Ça, c'était ta devise, tu vois. c'est idiot comme frère. C'est pas ma ville. C'est la ville de tous les citoyens et Los Santos qui élisent un gouverneur et ma ville, les règles. C'est... oui. Mais... ouais, mais en fait, tu comprends pas que justement, il y a une valeur à cette chose-là. C'est-à-dire que toi, t'as imposé des règles, mais ces règles, elles permettent aussi de protéger la population, tu vois. Bon, faut y aller. Donc, c'est pas que notre groupe. Go. Et donc là, on va faire les activités criminelles? Non. On va te laisser monter dans la...
peux la monter dans la... La voiture jaune, oui. Très jolie voiture. Mais vas-y, monte. Très jolie voiture, c'est ta voiture ? Non mais c'était la tienne il y a 6 ans et demi. C'était ma voiture ? Oui. Ah bon ? Et maintenant c'est plus ma voiture ? Il y a 6 ans et demi, c'était numéro 2 d'un groupe. Et Vagos. Quand on s'est rencontrés. Vagos. T'avais un chef, il s'appelait Lenny Johnson. Lenny, ouais. On était souvent en jaune. La Zantourneau, c'était un peu ta voiture de protection, parce que tu m'as cassé la tête le soir de notre mariage pour rentrer à tout prix avec cette voiture. Oui. Et c'est avec cette voiture que tu t'es planté. Merde. Les familistes ont mis dans le décor. Ensuite, on a fait une guerre, pendant que t'étais en coma. Malheureusement, on a perdu Lenny, à ce moment-là. Mais c'est Lenny qui t'a tout appris. Et ça, c'était notre quartier. Et donc ça, c'est plus ma voiture ? Non. C'est les voitures de qui ? De Monsieur Parnasse. Ah, Monsieur Montparnasse, c'est lui qui a la voiture. Mais un jour, je te la rachèterai. Faut que tu l'aies de nouveau. Ah, bon ? Ok. C'est gentil. Il a prêté la voiture ? C'est gentil de lui. Je lui mettrai un message pour le brunch. Et donc avant, on était habillés comme eux. On était ici. On avait même des dubstars jaunes aussi. Ça, des dubstars jaunes, oui. Pour la communication. La communication. T'avais un manteau en cuir léopard aussi, qui était totalement dégueulasse. Mais dont t'étais fier. Très bien, oui, manteau léopard. T'avais créé Vagos Records. Tu t'étais mis la chanson aussi. Vagos Records, oui. Et être là, ça te rappelle rien. Ça me dit quelque chose. On avance un peu ? Oui. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Mm-hmm. Bonsoir, oui, bonsoir. Vous êtes Lenny ? Non. Non, il n'est plus là, Lenny. Lenny, c'est le chef des Vagos, c'est Lenny. Lenny. Comment c'est Lenny, comment ? Johnson. Lenny Johnson, le chef des Vagos. Et. Eh ben, bravo, lui. Voilà, j'ai. Non, il n'y a plus de Lenny. Oui, Lenny, on n'est pas Lenny. Non, moi c'est Riot. Riot, d'accord, oui. Et... Riot. Très bien, oui. Et Riot. Riot. Tu comprends un peu. C'est les. Ma femme a dit que c'est les boss de Vagos, c'est Lenny. Vous, Vagos ? Ouais, ouais. Le réfé, c'est Lenny. Mais il est pas là. Moi je suis juste un membre classique. Membre classique. Mais il est absent aujourd'hui. Et toi tu étais numéro 2. J'étais un Vagos. J'ai mal à la tête. J'étais numéro 2 de Vagos. Oui. Si ? Oui. Très bien. Et numéro... le préfet, c'était Lenny. Le nom de Vagos, c'est Lenny. Oui. Le préfet. Et là, vous me dites, monsieur, monsieur les... Comment s'appelle déjà ? Je m'appelle Monsieur Riot. Monsieur Riot. Excusez-moi, j'ai m'excuser. Vous me dites que Lenny n'est pas disponible pour l'instant, il n'est pas là ce soir. Ouais. Ouais, pas là pendant longtemps. Miguel, il est mort, lui. Pendant que t'étais en coma. J'ai essayé de le sauver, j'ai pas réussi. Désolé. C'est fini pour vous les Vagos. Vous avez une nouvelle vie. Fini les Vagos. Ouais. Vous avez une autre famille. C'est trop bien.
vas-y, fais un des Pablo, il va bouffer déjà. Chérie, fais-moi un sourire. Votre famille. Tous les gens autour de vous. Une question. Je vous écoute. Ce que je comprends pas, c'est que vous me dites que Lénie n'est pas là pour le moment. Et Romain, ma femme, qui je pense que c'est quelqu'un que j'ai pu entendre. Me dit qu'il est mort. C'est pas très gentil de faire ça. Je préfère utiliser les mots il est pas là pour le moment. Il est pas là. Je peux vous dire ça. C'est pas à moi de vous dire ça, j'ai pas eu la chance de le connaître. Sûr. Et je sais qu'il est important pour vous. En soi, c'était pas à moi de vous dire ça. Jim ? Ouais. Ouais. Une question. Dis-moi. Est-ce que tu vois toujours ce que je t'ai donné hier ? Je l'ai laissé à l'appartement, malheureusement. Pas tout. Est-ce que vous savez comment on reconnaît ce que vaut un homme? C'est quelqu'un qui fait tout pour ses membres et pour ses membres de sa famille. Un peu comme vous. Vous êtes prêts à tout pour eux, les gens derrière et autour de vous. Terry Hot, les noms, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Nekos occupé, ou c'est Novagos. Comment ça? Quel est ton rôle? Je suis actuellement numéro 2. Qui est le numéro 1 de Vagos? Monsieur Ice. Non. Comment ça, non? Non. C'est Ice le réfère actuellement. Mike. Ouais. La question n'est pourtant pas très compliquée. Vous avez la réponse, Seigneur Riot. Je vous écoute. Mike. Anjou. Baissez là, Monsieur Riot. Dites-leur de baisser leurs armes tout de suite. Évitons les fusions de sang. Cette question est plutôt simple. Vous êtes chez nous. Je souhaite mourir. Vous connaissez la ville Mereg? Ici, c'est chez nous. Très bien. Mike, tuez-les tous. Tout le monde va bien? Miguel. Ouais, amenons tout le monde. Allons-y. C'est toi? C'est vraiment toi? Bon, des petits bâtards. Les seuls chefs de Vagos, c'est... Lenny Jansson!
connaissez des EMF là qu'on peut contacter? On amène tout le monde. Ma ville, mes règles. Deviens moi, Siri. Je t'abandonne pas. Monsieur Collins, il m'a dit combien, Hannibal? Monsieur Collins. Ah, Seigneur Arkel, je suis pas armé, venez. C'est bon, je suis avec. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui. Une fusillade. Fusillade? Je vais arriver. Vous autorisez à passer? Oui, venez, venez, je suis pas armé, vous ne risquez rien. Et puis même si j'étais armé, vous ne risquez rien. Y'en a un qui a le numéro de Parna, ça me fait. Merde, c'est votre femme? Oui, c'est ma femme. Elle était arrêtée. Il y a deux dévots qui s'en vont en fond. Et c'est normal, je leur ai dit de se casser, on s'est fait tirer dessus comme des lapins, j'ai pas compris. J'ai tiré dessus par qui? Je sais pas. Nous étions là dans les quartiers pour pouvoir voir les vagos. Il y a des hommes qui sont arrivés cagoulés, qui ont complètement tiré sur la gueule aux vagos. Et des spouettes, ils sont mis à nous tirer dessus. Ils sont dans le quartier vagos, les deux camps. Et moi, j'ai été blessé aussi, j'ai pris plusieurs balles. Mais d'avoir peut-être ma femme et Mike. Est-ce que vous pouvez activer la balise? Alors attendez. C'est bon, la police est sur place, elle sécurise. Vous avez prodigué les soins? Oui, oui, oui. Les deux respirent. Vous êtes en 72-81 ou c'est pas vous ça? Vous dans deux secondes, je suis gardé. J'ai... m'appelle Robert. Non, j'ai déconné, c'est un Colin. Oui, oui. D'où on m'appelle Miguel? Ah, mon Miguel. Oh non. Ah, impeccable, ma préférée des hommes. Ça? Comment ça va? Mieux que la plupart des jeux aussi, j'ai faut... Occupez-vous d'abord, j'hésite entre ma femme et Mike. Monsieur Arquette, sinon vous allez prendre une décharge et ça, ce sera pas bon. Qu'est-ce que vous foutiez dans le quartier, là? Mais je vous ai dit, j'étais venu voir les vacances. Ouais, et là, vous voir. Mais pourquoi pas? Mais pour faire du business. Arquette, vous me connaissez. Toujours une histoire des business. Je relève la personne à côté. Ah bah là, le business mauvais, là. Et à ce moment-là, une espèce de commando armé. Oui, Holmer. On prend les armes? Excusez-moi. Parce que moi j'ai mon. Oui, Seigneur, j'ai cru mal comprendre. Vous... Pardon. Bah vas-y. Fais attention. Mes amis se font tirer dessus, vous êtes en train d'envisager de les fouiller? Pardon. C'est ça? Excusez-moi. On va pas le fouiller, monsieur. Non, j'ai eu peur de mal comprendre. Que non, vous entendez au téléphone, je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On se fait tirer dessus, mais la police, elle est là dans la répression? Non, non, absolument pas, justement. On va juste demander de poser le Uzi et c'est tout, monsieur Miguel. De quel Uzi? Le Uzi que votre monsieur avait quand il était à terre, oui. Mais c'est personne qui est parti en brancard, là. Ah, les Uzi? J'ai pas vu le Uzi, moi. Vous êtes sûr? Moi, j'ai vu un Uzi, oui. Je suis sûr. C'est moi, Simon. D'accord. Je suis sûr. Pas le Uzi. Colin? Ouais. Ça va? Vous êtes rassuré? Votre femme va bien? Oui, apparemment, tout va bien. Okay. Bon. En plus, je suis... Oui, oui. De brûler tous les véhicules des Vagos, mais je vous avouerai. Oui, mais je vous expliquerai. Je me rappelle de tout et. C'est pas un problème, je vous invite pour les brunchs. Ah, félicitations, putain, je vous ai pas dit. Félicitations pour les commissaires. Bah, merci de rien. Oui, 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 je suis payé les petits. Les 24 dernières heures ont été un peu compliquées, mais. Ne vous inquiétez pas. Eh bah, écoutez, prenez soin de vous, d'accord? Ok. Hank Teller, les seuls et Mickey. Et vous-même? Ça va? Ça va et toi? Bien. Vous avez besoin de quelque chose ce soir ou pas? Et il faut que je vois ça, mais tout est un petit peu complexe ce soir, mais compte pas sur nous, mais on fait demain. Allez. Ok, j'aurai besoin d'une commande aussi bientôt. Oui, bien sûr. Et tu veux que je note? Oh, on verra ça en face à face si tu veux. C'est pas un souci, là je dois... C'est voir combien tu proposes, comme ça on pourra faire. Ok, ça marche, allez, bah, pas ce soir, demain du coup. Allez, et si je suis pas là, tu vois avec ou Pablo, au pire des cas, on voit ça lundi, j'ai un week-end un peu compliqué. Je viens de passer 24, 48 heures un peu chiante, mais tout va bien. Sinon, je joue avec Mike, hein, comme d'hab. Mike est possible aussi. Si? Ok, ça marche. Allez, souci, Hank. Si, pouvez-vous faire une chose pour moi? Docteur. Parce que je sais que vous êtes une personne pleine de sagesse. Lorsque vous allez voir les vagos qui vont se réveiller, rappelez-leur une chose de ma part. Je ne manquerai pas. Que ce sont mes petites putes. D'accord. Ma ville, mes règles. Et que les seuls boss de tout l'univers entier des Vagos qui s'en rappellent, c'est Lenny Johnson. Je leur passerai le mot. Impeccable. Et que s'il faut revenir, je reviens. Ok. Je suis content d'être de retour. Sinon, ça se passe bien, monsieur Collins? Mais travaillez-vous, monsieur le gouverneur? Les procureurs, je ne sais jamais. Non, j'ai pas la chiasse. Vous m'avez juste roulé. Enfin, je me suis juste roulé dessus. Ouais. Comment ça va pour vous? Ça se passe bien. C'est bon, tous les véhicules qui sont noirs sont pas là maintenant? Peut-être regarder le diplôme. Bon, alors tout va bien. J'ai appris il y a pas longtemps que vos services avaient eu l'envie
tenter de mettre 25 chefs d'inculpation sur les têtes de Pablo. Ah oui, monsieur Pablo. Oui. C'est plutôt malin de tenter les multi-chefs d'inculpation. Pour le moment, je ne sais pas les chefs d'inculpation qui vont vous mettre, qui vont mettre du moins aux personnes qui sont blessées. Donc il faut que je les consulte pour voir... C'est-à-dire C'est-à-dire... C'est ça, okay. Là, les personnes qui sont blessées, vous voulez mettre des chefs d'inculpation, c'est ça? Je ne sais pas, en fait. Hein, ce qui s'est passé. Donc il faut que je me renseigne d'abord pour quelle raison savoir ce qui s'est passé. J'ai une question, pour quelle raison vous avez des gens qui sont blessés, vous voulez les inculper? Des quoi? Bien, je ne sais pas. Hein. Déjà, il faut savoir ce qui s'est passé comme histoire. Et donc, si vous avez des gens qui sont simplement blessés, laissez faire les médecins, convoquez les personnes et voyez plus tard. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir tous ces policiers à chaque fois qu'il se passe un accident? Pas forcément, mais c'est pour la sécurité de tout le monde, sûrement. Et la sécurité de qui? Vous vous rendez compte de ce que vous racontez? Vous mobilisez de la police pour envisager quelque chose que vous ne savez pas, dans l'expectative d'un problème qu'il n'existait pas. C'est pas moi qui ai mobilisé la police, là. Moi, je suis arrivé comme ça, hein. Donc, si c'est vous les procureurs, vous allez voir la police, vous les renvoyez. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 policiers. Dont 3 en civil. Vous allez voir la police, vous dites, je suis le procureur. C'est quand même vous les étourner, non? Répartez en patrouille, il n'y a rien à voir, non? Parce que là, il n'y a rien à voir. Donc, il n'y a pas des protections à voir. Il y a des blessés qui sont pris en charge par les médecins. Je vais m'enseigner auprès des unités pour voir, monsieur Collins. C'est vous les procureurs ou c'est pas vous? Bien, c'est moi, monsieur Collins. Je comprends mieux les propos de l'ex-commissaire Holden. Quand il disait les procureurs, c'est vraiment qu'une couille molle. Et voilà. Comment ça va, Simon? Merci, Doc. Bah, parfait. Tout neuf. Impeccable. On voit bien. Oh, ouais, putain, mais le nombre de flics, j'avais pas vu. Vous avez très bien géré, rien à dire. Par contre, il risque d'avoir une guerre à partir de maintenant. Mais on va surtout arrêter les conneries à partir de maintenant. C'est terminé. Il n'y a plus de discussions, plus de... Il y a... On dicte. Ils font. Les seuls avec qui on va faire attention, c'est la police et leur putain des lois des perpétuités. Par balle, moi? Ah bon, d'accord. Les commissaires Holden. D'accord, oui. Il est déjà en train d'agresser les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, dites-moi? Oh, bah écoutez, manifestement, il y a eu de nombreuses blessures par balle. On va devoir vous auditionner tout simplement pour ces choses-là. Oui, bien sûr. Vous nous envoyez un petit papier comme d'habitude. On passera dans la semaine. Oh, j'aurais préféré qu'on fasse ça ce soir. On aurait été ce soir. Comme ça, c'était bouclé. Bien sûr. Ça fait une heure qu'on est ici. Vous auriez pu commencer avant, non? Oui, je sais bien. Ouais. Ils hésitaient entre ça et l'inculpation. Donc, et nous sommes en état d'arrestation. Nous vous suivons maintenant? D'abord, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Très bien. Alors, nous pouvons y aller. Bonne soirée. À bientôt. Quelqu'un pour prendre la maison. Je vous demande simplement de me suivre. Seigneur Panasse. Oui, monsieur Miguel, vous essayez de me joindre. Oui, je voulais vous remercier. Deux. Du prêt que vous avez fait à ma femme pour la voiture. C'est normal, vous allez mieux, il paraît. Très bien, je vais très très bien même. Parfait. Vous voulez toujours être gouverneur ou... L'idée me traverse l'esprit. Mais vous êtes au courant qu'il faut un casier judiciaire vierge? C'est vrai, j'avais oublié, c'était merde. Bon, oui. Je me permets, hein, je veux pas influer dans quoi que ce soit, vous savez bien quoi. Il va plus me rester qu'une seule chose dans la vie. Quoi donc? Rachetez votre raison de tournant. Ah, ouais. Non, j'aime bien. Ne dites pas, mais un jour on aura cette vraie discussion avec une vraie proposition. Oui, bah écoutez, si ça peut encore attendre, moi tout va bien. Oui, j'ai d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter avant. Parfait, puis il y a d'autres chevaux de voiture si vous voulez. J'ai une Tyran si ça vous tente. Non, merci. Ah, mais elle est bien, hein? Non, il n'y a qu'une seule voiture qui m'obnubile. Oui, mais non. Si. Ça viendra, vous en faites pas, ça vous passera. Non. Si, vous en faites pas. J'ai plein de choses à faire et je m'ennuie pas, ce qui fait que pour l'instant, je ne pense pas trop à la zone tourneau. Parfait, ça. Nickel, alors. Si un jour, j'y pense trop... Mais vous êtes un homme plein de négociations d'entrée. Je suis sûr qu'un jour on trouvera un terrain d'attente. Ouais, mais je suis pas pressé là, vraiment. Je préfère pas. Je vous le dis, hein. Je préfère pas parce que je l'aime vraiment bien, quoi. Plus maintenant, je l'ai full custo, alors elle est vraiment, vraiment bien, quoi. Des fois,
vous savez. Il arrive des accidents. Oui, mais alors, monsieur Miguel, vous savez bien, c'est déchéance quand on part sur ce jeu-là, parce qu'après, je suis obligé de faire semblant d'avoir peur, et puis après, vous avez... Non, c'est une menace, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas des menaces. Le oui. jour où j'ai vu cette entorno, je vous fais une proposition en vous indiquant que c'est une proposition ferme. Entre-temps, nous jouons, nous rigolons, nous avons des conversations, et cela m'amuse beaucoup. Mm-hmm. Le jour où je souhaite vous faire une proposition, je ne passerai pas par quatre chemins, je vous donnerai ma proposition en vous indiquant qu'elle est ferme et en disant que c'est quand même une meilleure idée qui est restée. Pour le reste des choses, non, je n'ai pas besoin avec vous de faire appel à une sensation de peur ou une sensation d'attaque. Je pense que nous avons une bonne relation, que cette relation va continuer. Est-ce une très bonne chose? Oui. Oui. Pas de soucis. Merci encore à vous. Vous n'êtes de rien dit. Merci à vous. Bonne soirée. Oui, bah pas tellement au final, si je comprends bien, mais bon. Comment ça? Bah, disons que cette discussion suite à ce que j'ai fait pour votre épouse, ça m'emmerde un peu. Oui. Qu'est-ce qui vous embête, Seigneur Parnasse? Le principe du mot ferme. Vous préférez que je vous mente? Non, je préfère pas que vous me mentiez. Je préfère que le jour où vous avez envie de qu'on ait une discussion sur un montant, ça ne soit pas ferme. Très bien. Alors, n'ayez pas les impolitesses, lorsque je vous parle de cette voiture, d'avoir un ton condescendant et vous foutre de ma gueule. Ah ben, je ne me fous pas de votre gueule. Si, Seigneur Parnas, ça fait plusieurs fois. Je vous assure que non. Dites-vous que je ne suis pas le Seigneur Diouf, mais punir de votre restaurant ne changera pas ma vie. Moi j'essaye de vous faire comprendre, c'est que oui, effectivement, peut-être. Maintenant, je pense que dans certaines situations, le fait de garder de bons rapports avec tout le monde peut aider pas mal de choses. Et en quoi nous avons des mauvais rapports? Ah, mais je dis pas qu'on a des mauvais rapports. Donc tout va bien? Oui, à l'heure actuelle, tout va bien. Donc, où est le problème? Ah ben, à l'heure actuelle, il n'y a aucun problème, monsieur Miguel. Si, je le sens dans votre voix. Je vous l'ai dit, mot pour mot. Je n'aime pas le mot ferme. Mais vous pensez que je suis condescendant? Je ne suis pas. Pas selon moi. Certains disent de moi que des fois, le moment où je pète une pile, c'est le moment où ils se disent merde. Mm-hmm. J'aurais pas dû. De quoi? C'est ce que les gens se disent. C'est génial. Mais ce n'est pas un souci, Seigneur Parnasse. J'ai compris les messages. Vous décidez de votre vie. Vous êtes les chefs de cette ville et vous faites ce que vous voulez. Très bien. Bonne soirée, Seigneur Parnasse. À bientôt. Ce n'est pas. Il commence à me faire chier, cet enculé. Avec son ton de merde. Donc pour information, chérie, et après tout ce qu'il a fait pour nous, en prêtant cette voiture, il attendait de la reconnaissance. Seigneur Parnasse. Ça dégage, m'intéressez pas. Je ne discute pas avec les cancres là. Sinon, je voudrais dire un truc aussi. Dis-moi, Jim. Vu qu'on est tous là, il manque que Mike, qui était là ce soir et qui a participé au truc. C'est qu'on n'a pas vraiment agi comme une famille envers l'un de nos membres ce soir, et ce membre, c'est Milo. Parce qu'il nous avait passé des calls radio pour demander qu'on aille le chercher, et on l'a laissé se débrouiller. Tout seul, et il n'a pas pu être là avec nous ce soir, alors qu'il aurait pu être peut-être encore plus changer la donne et éviter Kim ou Mike qui tombe. Et il a pu arriver qu'après le truc, et je pense qu'on a tous failli ce soir. Donc moi je te présente mes excuses, Milo, devant tout le monde. T'inquiète, il y avait d'autres priorités, c'est pas grave. Bon, je suis d'accord avec Jim. Je suis désolé aussi pour ça. Également. Non, il prend son but. Je pense que par rapport au call de la radio, on en a eu pas mal ce soir. Il faut vraiment les prendre en compte et pas devoir répéter plusieurs fois. Les calls radio sont prioritaires normalement. Mademoiselle Colline, je suis peinée de voir qu'un service rendu finit sur des menaces. Dis-lui qu'il fait attention, peut-être comment il parle. À trop vouloir chercher le loup, on se fait manger. Et que ce message est peut-être les messages de trop, peut-être, je sais pas. À continuer d'épousser comme si la ville lui appartenait, c'est comme ça souvent qu'on finit mal.
Rappelez-lui qui c'est qui a protégé ses employés le week-end dernier. À trop vouloir chercher, faire les cadors. Rappelez-lui qu'il tient quick. Monsieur Miguel. Dites-moi. Mm-hmm. Il paraît que je vous menace. Bah, c'est ce que vous venez de faire. Non, j'ai une discussion avec vous. Si la moindre contrariété fait de vous une personne qui se sent menacée, si, je vous l'ai dit. À partir du moment où vous me dites, ce sera une proposition ferme, on sait tout ce que ça veut dire. Non, une menace, par exemple, c'est de dire que... Par exemple, une menace, je vous prends l'exemple. Mm-hmm. Et de même, pendant votre mariage, j'abats tous vos invités, ça c'est une menace. C'est l'eau, je crois. Mm-hmm. Quoi ? Que j'ai fait de votre vie un enfer et que je peux à la fois faire péter votre restaurant, mais aussi tous vos employés, ça c'est une menace. Oui, mais pourquoi est-ce que vous le feriez ? C'est pas prévu. Par contre, à partir du moment où les moindres choses qu'on vous dit, vous pouvez dire aux gens, c'est mes règles, c'est ceci, c'est cela. Mais ce n'est pas ce que je vous ai dit. Si. Non. Si, vous. Non. Vous m'avez demandé gentiment ce qui me posait problème. Et je vous ai dit, poliment. Et humblement. Ce n'est pas une menace. Vous ne comprenez pas. Vous savez, vous avez l'habitude qu'on vous lèche les couilles du début à la fin. Mais parce que. Je n'ai pas besoin que vous me léchiez les couilles. Vous ne l'avez jamais fait. Mais je ne commencerai pas. Mais ce n'est pas parce que vous avez réussi à élire deux gouverneurs que. Mais c'est non, ce n'est pas une relation. J'en ai placé 6. C'est bien, vous voulez une médaille ? Mais non, j'en ai rien à foutre. Donc. Et vous savez quoi ? J'ai arrêté. Ça me casse les couilles. Oui. Parce qu'en fait. C'est faux. Ah ben c'est vrai. Ah bon ? Il n'y aura pas de liste à mon nom cette fois-ci. Vous avez un moyen, une espèce de façon compulsive de tout vouloir décider. Et lorsque vous ne décidez pas, vous devenez désagréable. Mais non. Mais dites-vous que je ne suis pas le seigneur Diouf. Si, je le sens en ton et votre voix. Lorsque votre ton était agréable, dès que nous avons parlé d'un sujet qui ne vous allait pas, votre ton basculait. Mais non. Je vous assure que non, tout va bien. Vous avez une légère agressivité dans la voix lorsque ça ne vous va pas. Ce qui fait que je vous vois venir à 4 km et ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Comme la fois où vous voulez acheter un lance-roquette pour un homme qui avait vu votre femme de loin. Non, alors vous aviez ces légers tons dans la voix. Vous savez, cette espèce d'agressivité. Mais, en soi, vous avez le droit de vous énerver comme tout le monde. C'est des choses qui arrivent. Je ne comprends pas d'ailleurs en passant. Mais, ne comprenez pas discussion avec menace. Ah mais il y a tout un monde. Quand vous dites à ma femme que vous rendez un service et qu'en échange vous faites menacer. Bah oui, c'est la sensation que j'ai eue, oui. Oui, peut-être qu'à un moment donné, si c'est vraiment une menace, c'est peut-être pas le genre de message à envoyer. Non. Ou vous dites que vous êtes tellement intouchable que jusqu'au bout, vous ferez les... Comment ils appellent ça sur Internet ? Les trolls. C'est ça. Sans peur ni reproche. Les parnasses. Je ne suis pas intouchable, vous le savez comme moi. Moi, je serai intouchable. Je vais vous appeler l'homme sans peur ni reproche. Non, j'ai jamais dit que j'avais pas peur. Sinon, je n'aurais pas envoyé même deux messages à votre femme. Si j'avais rien à foutre, je vous aurais pas téléphoné. Moi, je vous dis que ce que je vous ai dit n'est pas des menaces. Mais tant mieux. Parce que ça me ferait chier de devoir changer de type de relation avec vous. Et j'en ai aucune envie. Mais seul vous avez décidé des... Changer ou pas changer des choses. Moi, je vous ai dit des choses qui sont des réalités. Mais pourquoi en arriver là? Vous voyez? Pourquoi en arriver où? Pourquoi en arriver à des propositions fermes? C'est une menace. Lorsque vous travaillez avec d'autres endroits, comme les vignobles ou la ferme, vous faites toujours comme vous le souhaitez. Bon, malheureusement, non. Bien sûr que si. Ne vous faites pas passer pour plus idiot que vous êtes. Vous menez des A à Z jusqu'à arriver à un point, les points de ce que vous décidez. À la ferme, ce sont des aboutis. Au vignoble, tout aussi abouti. À la ferme, c'est un ami. Et à la brasse, je ne t'empêche pas que c'est un abouti. Il n'est pas capable de manager 3 centimes. Je ne peux pas vous le contredire. Donc, vous menez votre barque, vous arrivez à un compromis. La vie n'est faite que... Les business et des compromis. Ah, mais c'est justement ça qui est intéressant, non, c'est les compromis. Les business n'est pas de savoir ce qui va se passer. Oui. Parce que ça, vous le savez, ce qui va se passer. C'est de trouver les bons compromis à me proposer ce jour-là. C'est ce que vous savez faire de mieux. Les business. Donc, ne prenez pas la mouche, parce que je vous dis qu'un de ces quatre, j'aurai votre entourneau. C'est une réalité.
Maintenant, à vous de choisir et de trouver. Ce qui permet de contrebalancer ou pour gagner du temps. Ou pour contrebalancer la... Zantono. Un soir. Parce que... Voilà, je pense que... Je pense que le geste que j'ai fait aujourd'hui est aussi un geste de façon à gagner du temps et à permettre certaines choses. Et c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je vous avoue que je n'ai pas été sans crainte. Pas que je pensais que vous alliez me la péter, juste que j'ai pas l'habitude de la prêter à quelqu'un. Je ne connais pas beaucoup d'autres personnes qui ont conduit ces Zentando. Même pas moi. Et vous l'avez pas conduit ? Non, je n'ai pas eu l'occasion. Oh, c'est pas gentil, ça. Les choses qui arrivent. Oui, bah ça viendra un jour. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, Seigneur Parnasse, à bientôt. Et je vous souhaite un excellent mariage, tous mes voeux de bonheur demain. Merci beaucoup. Elle est courue. Attends, je vais te mettre mon pistolet dans la...